Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le volume est correct, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire si Alexandre Koffi, bonjour, 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 comment ça va? De Babou Victoire, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK? S'il vous plaît. Charlie Luigi, bonjour. Triple tap à vous tous, les miens. Avant qu'on commence à parler tranquillement, le son est bon. Ok, merci Charlie Luigi. Merci, merci, merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez les cœurs de visible. Yo, ce sera impitoyable. Ce sera impitoyable parce que l'invisible va utiliser justement des êtres humains pour faire des choses qui ne sont pas bien. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est très important. C'est le dernier avertissement. C'est le dernier avertissement pour que vraiment il y ait le moins de dégâts possible. Le moins de morts possible. Le moins de cris, de pleurs possible. C'est le dernier avertissement. Et là, je m'adresse à ceux qui sont injustes. Bernard Assa, bonjour. Comment tu vas, mon frère? Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, nous tous là, on sait que il y a des choses qu'on appelle le mal, il y a des choses qu'on appelle le bien. Nous tous, on sait faire le discernement de tout ça. Quand tu es en train de mentir, quand tu es en train de voler, quand tu es en train de trahir, quand tu es en train de faire des choses que tu ne veux pas qu'on te fasse à d'autres personnes, il faut savoir que tu sais ce que tu fais, tu es conscient, tu sais très bien, mais tu t'en fous, tu le fais quand même parce que tu t'es dit que tu es plus intelligent, ou bien tu es plus fort, ou bien tu es protégé par des gens, ou bien une chose est sûre, tu t'appuies toujours sur quelque chose, ou tu dis ça ne va pas aller quelque part. Parce que quelque part, tu te dis que je m'en fous, comme pour le moment je peux, donc je le fais. Il est temps de te ressaisir. Desquoi, tu dis quoi? Je ne sais pas si c'est chez moi, mais il a comme une double émission. Il y a des échos? Desquoi, est-ce qu'il y a des échos? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Dis-moi si c'est des échos ou bien si le son c'est rectifié. Maintenant, s'il y a un problème, je crois que tu ressors du live. Tu sors du live et puis tu reviens pour voir ce que je peux te dire. Donc, je disais que ceux qui sont dans l'injustice là, ils sont conscients de ça en fait. Mais souvent, l'argent, le pouvoir, leur bouche les oreilles, leur ferme les yeux. Et ils se croient tout permis, comme on dit. Mais ce sont les derniers avertissements que nous donnons aujourd'hui. Tout change. Le monde change. La vie, c'est comme une roue. Tu viens au monde, tu grandis, tu as peut-être ton apogée quand tu es en haut. Et après, maintenant, tu commences à redescendre parce que tu vas vers la vieillesse et ton voyage sur Terre se termine. Nous ne sommes que notre enveloppe corporelle, c'est un véhicule. C'est un véhicule pour pouvoir vivre dans cette dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le corps humain que nous avons là, ce n'est qu'un véhicule dans lequel notre âme et notre esprit vient et se promène sur cette Terre-là pour faire ce que nous avons à faire. Mais la personne qui ne comprend pas ça, Michel Medeski, bonjour, bonjour, bonjour. Nadette Lenoir, ma grande sœur, bonjour, bonjour, bisous à toi depuis ta position. Non, je vous assure, hein, actuellement, ce sont les derniers avertissements. Et puis, ce n'est pas que aux gens en Côte d'Ivoire seulement, hein, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Mais particulièrement, parce que moi, ceux que je connais, ce sont les Ivoiriens. Donc, c'est à eux que je m'adresse, parce que ça va arriver chez nous aussi. Je vous assure que ça va arriver chez nous aussi. Des gens, à une époque donnée, se sont crus porteurs de la vérité, porteurs de la direction du monde, et ont influencé le monde à leur façon, pendant une période. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins. L'humanité est arrivée à ce fameux changement qui arrive. Des fois, c'est tous les deux siècles. Des fois, c'est tous les trois siècles. Là, nous sommes arrivés à un changement qui est en train de commencer. Si vous n'avez pas les yeux pour voir que vraiment les choses sont en train de changer, que ceux qui étaient forts avant commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas aussi forts que ça, que ceux qui étaient faibles avant
commencent à comprendre qu'ils sont, ils deviennent forts aussi. Et ils commencent à avoir un équilibre qui est en train de se faire. Parce que ce que nous voyons là, il y a des gens qui ont eu l'habitude de dominer, d'écraser et d'imposer les choses aux gens. Et ils se rendent compte qu'ils font face maintenant à une muraille qui dit non, ça suffit, stop, on ne veut plus, on ne peut plus et on n'accepte plus ce que vous avez fait avant. Si vous n'êtes pas capable de réfléchir et de comprendre que les autres humains sur cette terre ont le droit de vivre aussi, aussi bien que vous, ont le droit d'avoir le minimum pour vivre comme vous, vous l'avez, si vous n'êtes pas capable de comprendre ça et que vous voulez toujours continuer à rentrer dans la domination, écraser, imposer les choses aux gens parce qu'ils sont plus faibles, tant pis pour vous. Tant pis pour vous parce que vous serez déraciné. Que vous le vouliez ou non, quel que soit ce que vous allez faire, vous serez écrasé et vous allez disparaître. Et le pire dans tout ça, c'est les enfants que vous avez laissés ici, là, qui vont pas forcément payer par rapport à ce que vous avez fait, mais en tout cas qui vont sentir la différence. C'est très important ce que je vous dis là. Non, mon tel est très bien mis, Amika Cabral. Comment tu vas, frangin? J'ai fait exprès aujourd'hui, je ne veux pas qu'on se focus sur ma tête. Il y a des gens qui viennent et puis c'est ton visage, ils regardent. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui là, qui compte. Sincèrement. Vous savez, quand on parle aux gens, quand on dit des choses qui viennent du fond du cœur, quand on essaie d'être le plus impartial possible, quand on essaie vraiment de parler avec l'amour dans notre cœur, pour que la justice soit, je dis bien, pour que la justice soit, la justice pour tous. Il y a des gens, eux, ils s'en foutent, ça ne leur dit rien. Parce que tout ce qui les motive, tout ce qui leur permet de pouvoir tenir chaque jour, c'est l'argent, c'est le gain, c'est le pouvoir, c'est les choses comme ça. Donc quand on parle et puis ça ne va pas dans ce sens-là, ça ne les intéresse pas. Mais quand la chose arrive, je dis bien la chose, quand ça arrive, là, eux tous maintenant ils se rappellent de « Ah, telle personne avait dit ça, telle personne avait parlé de ça, on m'avait prévenu, on m'avait dit ça, mais je n'ai pas écouté, voilà aujourd'hui maintenant c'est chaud. » Et puis c'est à cet instant-là, quand c'est chaud, que eux tous ils commencent à croire en Dieu, ils commencent à espérer, ils commencent à souhaiter que quelqu'un les sauve. Mais malheureusement c'est trop tard la plupart du temps. Il fallait le faire avant, quand tu as eu l'opportunité de réfléchir et de prendre conscience que ce que tu faisais là, c'était pas bon. Et qu'il fallait que tu arrêtes. Parce que ceux qui arrêtent au bon moment, ceux qui comprennent et qui arrêtent au bon moment, quand les temps arrivent là, il y a quelqu'un toujours dans la foule qui dit non, lui là, c'est vrai, il n'était pas bon, hein, mais à cette époque, à un moment donné là, il n'a pas accepté, ou bien celle-là, là, à un moment donné là, elle m'a aidé, elle m'a sauvé, ou bien il m'a aidé, il m'a sauvé. Et souvent, beaucoup de gens sont épargnés par rapport à ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris conscience à un moment donné que ce qu'elle faisait ou bien ce qu'il faisait, ce n'est pas bon. Et il s'est ressaisi ou elle s'est ressaisie. Donc cette vidéo-là, c'est pour prévenir les gens pour qu'ils se ressaisissent. Surtout en Côte d'Ivoire, nos frères qui sont au pouvoir actuellement. Là. Je sais que parmi eux, il y a des gens qui sont bons. Je sais que parmi eux, il y a des gens qui sont corrects, qui ne font pas de bruit, qui ne font pas d'injustice, qui sont juste en train de faire leur travail tranquillement. Et puis, bon, ils gagnent leur vie comme les autres. Mais ils sont malheureusement sur ou bien derrière quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas correctes. On ne peut pas vraiment mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est ceux qui se permettent de faire le mal, de prendre plaisir à ça et de tout faire pour ne pas que tout soit juste pour tout le monde et qu'ils profitent du pouvoir pour faire du mal aux plus faibles. C'est à eux que je m'adresse. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. C'est le dernier avertissement. Réfléchissez bien. Le pouvoir n'est pas éternel. La force, même quand tu viens et tu es le plus fort du monde, à un moment donné, tu deviens faible. À un moment donné, il y a quelqu'un qui était petit, qui a grandi et qui devient plus fort que toi. Et la seule chose qui te protège, c'est ta sagesse. La seule chose qui te protège, c'est ta bienveillance. La seule chose qui te protège, c'est le fait que ce que tu as dit ou bien ce que tu as fait pendant la période où tu étais fort, là, c'était juste, c'était honnête, c'était droit, c'était bon pour tout le monde. Mais quand tu as fait des choses qui ont blessé les gens, qui ont fait du mal aux gens, le jour ça vient là, mon ami, tu n'as aucune protection.
Il est très important de comprendre ça. C'est le dernier avertissement. Si vous ne voyez pas comment les choses sont en train de tourner au vinaigre, là, je suis désolé pour vous, mais tant pis pour vous. On vous aura prévenu. On vous aura dit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire en sorte que la justice soit pour tout le monde au même niveau. C'est tout ce qu'on demande. Ça, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes dans la vérité, mais n'ayez pas peur de la justice. Parce que dans la justice où tout le monde est jugé de la même façon, sur la même balance, et bien celui qui est dans la vérité va forcément s'en sortir. Mais celui qui ment, qui vole, qui triche, qui écrase parce qu'il a la force, mais il est dans le mal. Vous comprenez, non? Maintenant, si vous ne comprenez pas, moi je m'en fiche. Hein. Mais une chose est sûre, ce matin, je me suis réveillé avec l'amour dans mon cœur, avec la paix dans mon cœur, avec l'envie de partager dans mon cœur, avec vraiment que de la bienveillance. Voilà pourquoi je me suis levé, j'ai fait cette vidéo, même mon alter ego, Metzoku, il doit être en train de dormir, il ne sait même pas que j'ai commencé cette vidéo-là déjà. Peut-être qu'il va venir après, il va prendre la vidéo en cours, mais il est très important que je puisse dire ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et ce que je dis, je ne sais pas si ça offense quelqu'un, si ça blesse quelqu'un, si c'est mauvais, si c'est du mensonge, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas. Maintenant, celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, on s'en fout. Où on est arrivé là? On n'est plus dans le temps des conseils. On n'est plus dans le temps des conseils. On dit simplement, on donne un dernier avertissement aux gens. Qu'ils pensent à demain. Qu'ils pensent à leurs enfants. Leurs enfants, ils sont allés cacher à l'étranger partout. Parce que c'est le même système à chaque fois. Des gens viennent au pouvoir, ils dominent, ils écrasent, ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Au cas où ça se passe bien, ils reviennent dominer. Au cas où ça se passe mal, ils restent à l'étranger, puis ils vivent leur vie. Maintenant, ils ont peur de rentrer chez eux. Ils sont obligés d'être des apatrides, des gens qui vont rester là-bas tout le temps. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Tout ce que on demande, c'est la justice. C'est la liberté de chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Si, par exemple, X a envie de se présenter à des élections, si Z a envie de se présenter à des élections, par exemple, je donne un exemple, on est qui pour dire à quelqu'un, non, toi, tu peux pas. Non, toi, tu dois pas. Non, toi, à moins que ce soit vraiment des gens, des gens qui sont en prison, des gens qui sont vraiment des repris de justice ou bien des gens qui n'ont pas le droit par rapport à la législation du pays. Par exemple, un Japonais ne peut pas venir dire je vais être président en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. S'il n'a pas les papiers ivoiriens. C'est de ça que je parle en fait. Sinon, les histoires de non, lui là, on ne met pas son nom sur la liste. Lui là, il n'a pas le droit de se présenter. Lui là, il est trop vieux. Ou bien lui, il est trop jeune. Ou bien lui, il est comme s'il n'a pas l'argent. Mais celui-là, il n'a pas ceci. C'est n'importe quoi. Vous comprenez, non? Donc c'est important de
Ce ne sont pas des choses dans le vent. Je vous dis, ce ne sont pas des choses dans le vent. Les bons temps, les temps de bombance, les temps d'abondance, les temps de chicance, les temps de tout ça là, ça crée des gens faibles. Et les temps difficiles créent des gens forts. Tous ceux qui étaient dans les difficultés, tous ceux qui étaient en train de souffrir pendant toute cette période d'injustice là, ils sont devenus forts. Bagnol, Bernadette, bisous à toi depuis ta position. Ils sont devenus forts. Mais croyez-moi, ce n'est pas la force d'avant là. Hein. Je vous donne l'exemple actuellement par rapport à ce qui se passe sur un plan géostratégique mondial actuellement. Quand les États-Unis et puis du moins avec tout leur corollaire de NATO, l'OTAN, étaient forts, ils regardaient la petite Chine, ils regardaient la petite Russie, petit Iran, petit Corée du Nord, ils regardaient tous ces gens-là de haut. Oh, bof, on est les plus forts, bof, on fait ce qu'on veut, bof, bof. Jusqu'au jour où les gens disent stop, ça suffit, c'est terminé, c'est bon. Maintenant, les gens sont surpris. Ils voient qu'ils ne peuvent plus faire. Ils ont même essayé. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine. Une trentaine de pays, ou bien une quarantaine de pays, contre un seul pays, ils n'ont pas pu changer la donne. Les choses sont en train de tourner à l'avantage du seul pays là. C'est-à-dire la Russie qui a dit, niet, on ne veut pas. Non, terminé, ça s'arrête là. Les gars sont en train de faire tout, mettre tout l'argent du monde à leur disposition, donner toutes les armes, donner toutes les choses. Vous voyez devant vous. Tout vous êtes, rien n'est caché. Tout, vous voyez tout en vision mondiale. Et les choses ne bougent pas dans le sens de ceux qui étaient les plus forts. Au contraire, ils sont en train de se faire honnir tous les jours. Si ça, ça vous dit rien, c'est que on peut rien faire pour vous. On peut rien faire pour vous. Et tant pis. Où on est arrivé là? Tant pis, parce que dans le monde, là, c'est toujours comme ça. Il y a une période où il y a une grande guerre, il y a des choses qui arrivent, et puis la moitié de la population du monde disparaît. Et après l'autre moitié, maintenant, on recommence tout, et puis on continue. On est arrivé dans ça là. On est arrivé dans ça là. On est arrivé dans ça. Il y a des gens qui voient clair. Il y a des gens qui comprennent. Et qui se mettent à l'écart et commencent à comprendre à faire les choses, ce qui est correct, pour se mettre à l'abri. Il y en a d'autres, ils comprennent aussi, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils pensent que éternellement on peut être vivant. L'être humain, il y en a, ils vivent, mais ils ne savent pas qu'un jour ils vont partir. Ils croient qu'ils sont immortels. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'un jour ça les fauche. Il y en a d'autres maintenant qui sont comme des moutons. Ils sont là, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à se renseigner. Tant qu'il y a de l'herbe autour d'eux, là, ils broutent et puis ils attendent le jour de la tabaski. Le jour de la tabaski arrive, il est étonné, yo, lui on le prend, puis hop, c'est fini. Il devient Kedjenou. Au calme, que tu le veuilles ou non, que tu te débattes ou tu ne te débattes pas, yo, tu seras comme ça brisé. C'est comme ça, ça est. Parce que tu n'as pas cherché à comprendre, tu n'as pas cherché à apprendre, tu n'as pas cherché à te mettre au courant, tu n'as pas cherché à savoir les choses. Parce que comme tu as de l'herbe autour de toi pour manger, la vie est belle, tout est chic. Alors que il y a une fête à chaque fois qui arrive où cet homme va venir pour me faire sacrifice. Il faut chercher à comprendre les choses. Enseignez à vos enfants ce qui se passe actuellement dans le monde. Enseignez à vos enfants, enseignez à vos femmes, vos maris, vos conjoints, tous les gens qui sont autour de vous là, que la paix, la justice, l'honnêteté est le plus grand bouclier qui peut vous protéger de tous les malheurs qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Je vais vous donner un exemple simple. Tu as un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui est en train de grandir devant toi, que tu aimes de tout ton cœur. Si tu ne lui apprends pas à être poli, à dire bonjour, à dire s'il vous plaît, à dire merci, à être reconnaissant. Si tu n'apprends pas à ton enfant à être respectueux envers les gens. Ton enfant là, quand il va grandir, s'il n'a pas ses codes de la ville, s'il n'a pas ses aptitudes à être vraiment aimant, et aimer,
Demain, si vous n'êtes pas là et que vous l'avez laissé être impoli, parce que vous dites, oh, l'enfant, il dit ce qu'il pense. C'est bien. Moi, je suis fier de mon enfant parce que mon enfant, il dit ce qu'il pense. S'il veut pas dire bonjour, il dit pas bonjour parce que il pense que c'est comme ça. Et c'est ce qu'il ressent. Et c'est bien. Ça me plaît parce que c'est comme ça. Des gens qui sont guidés par des énergies obscures, des énergies vraiment malsaines qui font que pendant un moment, ça fonctionne, ça marche. Mais à un moment donné, là, tout s'écroule parce qu'il y a des lois. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois spirituelles qu'il faut absolument respecter si tu veux avoir une vie tranquille sur cette terre. C'est très important. Donc, ah, mon grand frère Wonien, bonjour, comment tu vas? On donne conseil. Il n'y a pas de... On donne conseil aux gens qui, actuellement, sont sur le chemin de l'injustice, sont dans un comportement malsain qui peut engendrer de grandes déflagrations. Et quand ça va commencer, c'est eux les premiers qui vont regretter. Donc on leur donne un dernier conseil, un dernier avertissement, de faire en sorte que vraiment les gars soient dans la justice, soient dans l'équité, soient vraiment des gens qui font en sorte que tout le monde passe sur le même pied d'égalité, afin que personne n'ait envie de se battre. Que plutôt les gens aient envie d'aller à des élections inclusive, juste et transparente, et que celui qui a gagné, gagne. Parce que le chemin que le RDR, RHDP, les gens de Ouattara sont en train de prendre à travers Kuibert et consorts à la commission électorale, est un chemin qui est très dangereux. Très, très, très dangereux pour eux. Et ils n'en sont pas conscients parce que pendant 15 ans, ces gens ont mangé plus de 3 fois par jour. Ces gens se sont promenés dans les plus belles voitures. Ces gens ont été chouchoutés, bichonnés par leur personnel. Tous les matins, on leur lèche le derrière. Tous les matins, on leur lèche les chaussures. Tous les matins, on leur dit qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, les plus grands, les meilleurs. Et en échange de billets de banque. Donc ces gens-là, ils ont complètement perdu le nord. Aujourd'hui, ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour des gens qui sont infaillibles. Pour des gens à qui rien ne peut arriver. Tu vas chercher? C'est ce que je vous dis là. Franchement, ceux qui croient, tant mieux. Mais ceux qui ne croient pas, tant pis. Mais le moment va venir. Fais capture de cette vidéo là. Le moment va venir. Ou cette vidéo là. Les gens vont aller écouter encore pour dire, ah, le gars avait dit ça. Je vous assure que ça va très mal se passer pour ce parti, pour ces gens là. Qui se croient infaillibles, qui se croient les plus forts et qui continuent dans l'injustice. Qui continue dans la violence, qui continue dans l'exagération de la force du plus fort sur le plus faible. C'est le dernier avertissement. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. C'est avec amour. C'est avec amour, sincèrement, que je vous dis ça. C'est avec bienveillance que je vous dis ça. Il n'y a pas de haine dans mon cœur, il n'y a pas de choses. Non, c'est simplement parce que c'est inévitable ce qui arrive si vous continuez à vous comporter de la façon dont vous êtes en train de faire là. Je ne sais pas si les gens veulent que Dieu lui-même descende sur terre pour leur parler. Ou bien il faut que Jésus ou bien Mahomet descende pour leur parler. Ou bien je sais que des anges descendent pour leur parler. Je ne sais pas. Pour que les gens puissent comprendre simplement que leur avenir là dépend des décisions qu'ils vont prendre aujourd'hui. Vous savez, les gens du RHDP, parmi vous, il y a des gens qui sont innocents. Parmi vous, il y a des gens vraiment qui ne sont pas dans toutes ces mauvaises choses-là. Il y a des gens qui sont dedans, qui sont au RHDP, il n'y a pas de problème, chacun a le droit d'aller où il veut. Mais dedans là aussi, il y a des gens qui savent qu'ils ont tué. Ils savent qu'ils ont fait des sales choses. Ils savent qu'ils ont fait des injustices. Ils savent très bien qu'ils ont fait du mal. C'est eux là qui ont peur de perdre le pouvoir. Parce que perdre le pouvoir n'est pas une fin en soi. Tu peux être au pouvoir aujourd'hui, tu perds le pouvoir demain, tu as un métier, demain tu travailles toujours parce que celui qui vient c'est la continuité de l'État et les choses continuent tranquillement.
Mais quand tu as peur de perdre ce pouvoir-là, c'est que tu as peur de rendre des comptes par rapport à certaines choses que tu as faites. Et ceux-là, s'il y a 1000 personnes au RDR, RHDP, ceux qui ont fait le mal et qui ont peur de perdre le pouvoir-là, sur les 1000, peut-être ils sont 50. Peut-être ils sont 50. Tous les autres ne sont pas dedans. Mais vous les autres là, les 9950 qui suivez ces 50 personnes là, qui ont peur de perdre le pouvoir là, si vous continuez avec eux, peut-être il y a 500 de vous là-bas qui vont prendre les pots cassés. Parce qu'il y a 50 qui vous ont blagué, qui vous ont menti, grâce à l'argent, et qui vous envoient dans le trou. Je vous assure que c'est le dernier avertissement qu'on vous donne aujourd'hui. C'est le dernier avertissement qu'on vous donne aujourd'hui. Le reste là, c'est vous qui voyez. Mais quand ça va commencer là, wallahi billahi, comme ils disent les musulmans, ah, chacun va attraper sa tête, chacun va essayer de faire comme il peut, mais ça va être chaud. Ça va être chaud parce que les êtres humains que vous allez voir dehors dans la rue là, ça ne sera pas des êtres humains ordinaires. Hein. On vous prévient, on vous dit en même temps. Ça ne sera pas des gens ordinaires. Ça sera des gens qui seront habités. Ceux qui peuvent comprendre, ils vont comprendre. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis, ce n'est pas grave. Mais les gens que vous allez voir dehors, ce sera des gens qui seront habités. Des gens qui seront sans pitié. Des gens qui seront guidés par je ne sais quoi, mais qui va faire ce qui doit être fait. La seule chose qui va vous protéger, c'est de prendre conscience aujourd'hui et de faire ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est honnête pour tout le monde. Afin que tout le monde se sente sur le même pied d'égalité et que, à travers des élections, le gagnant gagne et puis on continue le chemin tranquillement dans la direction que nous nous sommes donnés nous-mêmes, que nous voulons nous donner nous-mêmes. Mais si vous voulez faire de la résistance en pensant que vous êtes infaillible, en pensant que vous êtes les plus forts, en pensant que c'est impossible que vous puissiez être battu, écrasé, fracassé par d'autres personnes, c'est que vous faites une grosse erreur. Ne donnez pas l'opportunité aux gens de vous faire du mal. Parce que tout ce que vous avez amassé là, comme bien, comme argent, comme matériel, tout ça là, ça sera un gros zéro. Ça sera un gros zéro. Même pour vos enfants, ils ne vont même pas en profiter. Et vraiment, comprenez ce qu'on vous dit. C'est simplement un examen de conscience. Sortez de tout ce qui est faux. Sortez de tout ce qui est malsain. Sortez de tout ce qui est injuste. Dites à votre cuibière là, qui a la commission électorale ou bien quoi que ce soit, tout, dites aux gens là d'arrêter leur bêtise là et de faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir le droit d'aller à des élections justes, transparentes et inclusives, afin que le peuple décide calmement. C'est la seule chose qui va désamorcer ce qui est en train de venir là. Je le dis et je le répète encore une fois. C'est la seule chose qui va désamorcer ce qui est en train de venir. Parce que si vous voulez insister dans l'injustice, si vous voulez insister dans ce qui est faux, parce que vous le savez à l'intérieur de votre conscience, que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Vous le savez très bien, surtout ce cuibert. Tant pis pour vous, on vous aura prévenu. Ce ne sont pas des menaces, hein. Ce sont des promesses. C'est différent. Je répète, ce ne sont pas des menaces. Ce sont des promesses. C'est infaillible. Ne pensez pas que vous êtes... Il n'y a pas l'homme sur cette terre qui est trop fort que quelqu'un. Un jour, des fois même ça peut venir même dans votre maison, à côté de vous, des gens qui sont tout proches de vous, qui vont vous faire du sale, en pensant que c'est des gens qui sont en train de s'armer, de se machiner là-bas quelque part pour tomber sur vous. Non. Quelqu'un même qui est à côté de vous peut vous faire mal. Quelqu'un en qui vous avez toute la confiance. Quelqu'un qui vous accompagne tout le temps. Quelqu'un qui vous regarde même qui est à côté dit non, hey, vieux père, hey, ma non, il ne faut pas avoir peur. On est là pour toi, on est là pour toi. Ça peut venir de là. Parce que vous ne savez pas ce qui est dans la tête de l'homme.
Vous ne savez pas ce qui est dans la conscience de l'homme. Et surtout, vous ne savez pas à quel moment les choses invisibles peuvent rentrer dans le corps, dans l'esprit d'un homme pour agir d'une certaine façon ou bien d'une autre. Est-ce que ce que j'ai dit là, vous avez compris? Des gens peuvent être assis à côté de vous. Ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton cousin, ton meilleur ami, ton collègue ou bien ton employé. Et puis un jour, quelque chose d'invisible rentre dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Et la personne maintenant fait quelque chose que personne ne comprend. Et la personne fait quelque chose que personne ne comprend. Mais cette chose a une conséquence irréversible. Si cette chose-là peut sauver la vie de milliers de personnes, ça se fera. Parce que ce n'est même pas à notre niveau. Ce n'est pas nous, on décide. Tout ce qui se fait dans l'invisible se manifeste dans le visible. Tout ce qui s'attache dans l'invisible s'attache dans le visible. Tout ce qui se détache dans l'invisible se détache dans le visible. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est le dernier avertissement à nos frères du RDR, RHDP qui ont le pouvoir en Côte d'Ivoire. Par exemple, parce que là, je m'intéresse à la Côte d'Ivoire, les autres, le reste du monde, là, ça, ils vont gérer ça entre eux là-bas parce que c'est le même principe. C'est le même principe. L'être humain est important. La vie de l'être humain est importante. Le bien-être là, c'est bon pour tout le monde. C'est pas bien que pour une seule catégorie de personnes et puis les autres doivent souffrir. Non. Quand la terre a été créée là, avec les êtres humains là, c'était pas dans ce but là, hein, de garder des privilégiés et puis les autres là vont souffrir. Non, c'est pour que tout le monde ait le droit de vivre tranquillement. Tout le monde ait le droit d'avoir le minimum pour vivre, pour se sentir bien sur cette terre-là, qu'on nous a donné gratuitement. Maintenant, celui qui veut, parce qu'il est le plus fort, écraser les autres, faire ce qu'il veut, le temps arrive où son tour va arriver aussi, où quelqu'un de plus fort va l'écraser. Mais seuls ceux qui sont justes, ceux qui sont bons, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont droits, vont se reposer tranquillement, et puis rien de mal ne peut leur arriver parce que pour eux, le bouclier qu'ils ont, c'est que des gens n'ont aucune raison d'aller leur faire du mal. Parce que pendant qu'ils étaient forts, ils ont pratiqué la justice, ils ont pratiqué l'honnêteté, ils ont pratiqué tout ce qui est correct. Afin que les populations, les gens, quand ils vont les voir, ils vont dire non, lui là, je ne peux pas lui faire du mal parce que je n'aime pas de raison, mais je ne sais pas, il ne m'a rien fait. Donc, tu peux passer tranquillement dans la rue. Bien au contraire, tu m'as fait beaucoup de bien. Ce que tu as fait, tu m'as permis d'avoir ceci, d'avoir cela. Donc, tiens une banane, tiens arachide, tiens quelque chose que j'ai. Au moins, vraiment en reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Mais quand tu as fait le mal, quand tu as fait l'injustice et que tu te crois trop fort parce que tu as X ou bien Y qui te protège, qui est autour de toi, Joe, à tout moment, on peut t'écraser. À tout moment, on peut t'écraser. Et puis, tu ne vas rien comprendre. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le dernier avertissement. Eh, hey, merci grand frère Ounien. Les hommes passent. Les hommes passent. Aujourd'hui, on vous a parlé dans toutes les langues. On vous a parlé sous toutes les formes. Les gens ont essayé de faire un dialogue inclusif pour qu'on puisse parler, vraiment comprendre et aller sur la base de la justice. Si vous êtes trop fort, si vous êtes vraiment les plus populaires et que votre travail vraiment est le témoignage de votre force et que la population vraiment est contente de votre travail. Pourquoi vous avez peur de faire des choses justes? Pourquoi vous avez peur d'aller aux élections, par exemple, et de laisser le peuple prouver aux gens qui gardent votre nom là que vous avez raison? Sans tricher, sans voler. Pourquoi vous avez peur de ça? C'est parce que je vous ai dit, il y a 50 personnes au RDR, RHDP là, qui sont des criminels, des assassins, des voleurs, qui sont dans l'injustice et qui ne veulent pas que ça change. Voilà pourquoi, avec l'argent du pays, ils peuvent acheter des gens maintenant qui sont innocents, qui ne comprennent rien, qui les accompagnent, qui les suivent et qui ont peur de perdre le pouvoir. Si jamais ils doivent perdre le pouvoir. Mais si les 50 là, criminels, là,
vous envoie, vous, les milliers de personnes qui les suivaient là, dans le trou, c'est votre affaire. Hein? C'est votre affaire, hein? C'est vous. Parce que souvent, il y a des gens, ils sont assis là, ils ont un poste, ils ont à manger, ils ont de l'argent, ils ont tout. Et puis, ils voient les injustices, ils savent, ils comprennent très bien. Mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien parce que, Joe, moi, c'est mon manger, je suis à l'aise, ça va, je ne vais pas aller chercher la merde, je ne vais pas dire... Et puis, vous suivez des gens qui sont malsains. Là. Le sort des malsains, là, ça va vous arriver à vous aussi. Hein? C'est la loi de la semence. C'est la loi de la semence. Ce n'est pas quelque chose que moi je décide ou bien tout. C'est une loi universelle. C'est une loi universelle. C'est comme quand tu lances caillou en l'air, que tu crois, que tu ne crois pas, la loi de la gravité là, va faire redescendre le caillou. Le monde est régi par des lois. Si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qu'il y a des lois qu'il faut respecter. La loi de la semence, tu plantes igname, c'est igname qui va sortir. Tu plantes mangue dans le manguier qui va sortir là. C'est mangue qui va pousser. Ce n'est pas des fraises, ce n'est pas des goyaves. Tu fais le bien, c'est le bien qui va revenir vers toi. C'est une loi. Mais il n'y a pas de loi où le mal, tu le plantes et puis c'est le bien qui vient après. Ou bien tu plantes le bien et puis c'est le mal qui vient après. Non, ça n'existe pas. Donc on vous prévient encore une fois et une dernière fois. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que ces 50 personnes, je dis bien encore, RDR, RHDP là, ces 50 criminels qui vont vous envoyer, vous les milliers de RHDP là, dans des gouffres. Je dis bien des gouffres, je n'ai pas dit un gouffre, dans des gouffres. Bêtement, parce que vous avez suivi l'argent. Au lieu de suivre le bon sens. Vous avez suivi l'argent. Au lieu de suivre le bon sens. Au lieu de suivre la justice. Au lieu de suivre l'équité, au lieu de suivre le droit, vous avez suivi 50 individus qui vous mentent, qui vous blaguent, bien qui vous achètent, qui ont des choses à se reprocher, eux, contrairement à vous. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? J'attends les commentaires, les réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser, s'il vous plaît? Au moins, s'il n'y a pas de question, que le message passe, écrivez non au moins. Je vais savoir parce que là, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Oh, tu sais, mon grand frère Rognien, moi, l'histoire de Satan et ceci, cela, là, moi, je ne suis pas dans cette configuration. Parce que l'homme lui-même, là, il est son propre Dieu, il est son propre Satan. L'homme lui-même. Parce que souvent on ment sur cette énergie qu'on appelle Satan là, alors que c'est une énergie simplement qui est dans tout le monde. Tous les êtres humains ont un côté mauvais, un côté bon. Maintenant chacun laisse, laisse se développer celui qui choisit. Si toi dans ton corps là-bas, là, c'est le mauvais, le mal, l'injustice, les saletés, les choses, parce que tu es intelligent, tu es futé, donc tu veux profiter de ça pour blaguer, traduire. Oui, c'est ton Satan là que tu fais grandir. Mais si c'est le bon, la lumière, la clarté, la justice pour tout, ce que tu veux qu'on te fasse et ça tu fais aux autres, et bien c'est ton côté angélique que tu fais sortir aussi. Donc l'énergie Satan là, tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Enfin, si Gbagbo ne peut pas être candidat, c'est pas une fin en soi, hein, mais une chose est sûre. Si il ne peut pas être candidat, ça veut dire que les gens du RDR, RHDP ont choisi le côté de l'incertain. Et ça, nous, on n'y peut rien. Parce que tout ce qu'on demande, là, c'est la justice. Gbagbo a le droit d'être candidat. Le président Gbagbo a le droit d'être candidat. Comme Soro Guillaume, comme tous les autres qui veulent être candidats, ils ont le droit. Encore plus même que M. Ouattara, à qui on a donné la permission de pouvoir venir participer à des élections dans notre pays, alors qu'il n'avait pas le droit vis-à-vis de la loi. Donc, si les gens ne comprennent pas, même sur le plan spirituel, cette image-là,
C'est que là, vraiment, je ne sais pas les gens à quoi ça sert d'aller à l'église, ou bien à quoi ça sert d'aller à la mosquée, ou bien à quoi ça sert d'aller interroger la nature. Si les gens ne voient pas cette image-là devant eux, si les gens du RHDP, RDR ne voient pas cette image, ce qu'eux, ils n'ont jamais accepté à l'époque, là, bien que ce soit contre les lois de notre pays, hein, mais les gens ont signé un article. Le président Gbagbo a signé un article pour avoir la paix, pour acheter la paix. Il a dit, c'est pas grave, le gars n'a pas le droit, mais on a qu'à le laisser quand même. Parce que le président Gbagbo, à l'époque, a eu confiance en son peuple. Il s'est dit, moi, ce que je fais là, vraiment, c'est pour le peuple. J'essaie de faire les choses correctement. Donc, je sais que le peuple m'aime. Donc, si on va à des élections, même si c'est les gars du RDR, RHDP qui sont à la CEI, si on compte bien les voix, si on fait tout correctement, là, j'ai gagné. J'ai confiance. Donc, il a donné, il a eu confiance, il a fait. Mais les gars, ils ont commencé à tricher, à faire leur connerie en vision mondiale. Parce que les gens parlent d'Amela Picasso qui est venu enlever le papier devant les gens, devant tout le monde, là. Mais il a enlevé le papier parce que, justement, le RDA, à l'époque, avait planifié tout. Vous faites vous venez donner des informations capitales au monde entier alors que ça n'a pas été consolidé. Ça n'a pas été vérifié par tout le monde. Et vous venez en catimini faire rapidement une conférence de presse pour dire que l'autre a gagné alors que vous n'avez pas consolidé, on n'a pas bien compté les voix. Et c'est à partir de cette image-là où Damien Picasso a eu le courage d'aller enlever le papier pour dire que non, c'est pas juste, c'est pas normal, que tout le monde a dit non, ils veulent tricher. Vous savez comment les démons, les maudits, les gens qui mentent, les gens qui volent, les gens qui trichent agissent. Parce que s'ils ne volaient pas, s'ils ne mentaient pas, s'ils ne trichaient pas, ils allaient recompter les voix en 2010 et puis on n'aurait pas eu tous ces morts. Ils allaient simplement recompter. Parce que beaucoup de gens ne se posent pas la question, pourquoi vous ne recomptez? Ou bien il y en a encore d'autres qui sont de mauvaise foi, des démons encore. Mais tout cela, c'est d'eux que je parle, hein, qui disent que non, dans le Nord, ils ont annulé les élections dans telle partie, de la Côte d'Ivoire. Comment on peut annuler 600 000 voix? Mais si vous êtes des voleurs, des menteurs, des tricheurs, et que dans un endroit où il y a 100 personnes qui votent, et puis maintenant, dans les 100 personnes qui votent là, l'assesseur au moins qui est assis dans le bureau, là, il y a un qui est du parti au pouvoir de l'époque, qui lui, sa voix là, lui seul sa voix là, ça ne peut pas faire 100%, ça va faire 99, quelque chose. Même lui-même, qui est du parti au pouvoir là, il a voté aussi pour l'autre. Ça vous dit rien quand il y a 100%, 100%, 100%, c'est impossible, c'est pas normal. Ça veut dire que vous avez triché, vous avez rempli les urnes, vous avez fait toutes sortes de conneries. On ne peut pas faire 100% dans une élection, c'est impossible. On peut faire 80, 90, même 95, c'est possible, oui. Mais 100%, c'est pas possible. Mais ça ne vous fait pas réfléchir, hein. Non, ils ont annulé 600 000 voix. Donc, par rapport à ça, c'est parce que l'autre allait gagner. Non, c'est de la triche, c'est du vol, c'est du mensonge. Devant Dieu, devant les hommes, devant tous les esprits supérieurs qu'il y a, qui dominent cet univers, ce multivers dans lequel nous sommes là. Les gens savent que c'est du mensonge. C'est du faux. C'est du faux. Malgré le faux là, le Créateur vous a permis d'avoir le pouvoir. Mais là, si vous savez pourquoi le Créateur vous a permis d'avoir le pouvoir. Est-ce que vous savez pourquoi? Des fois, les gens, ils voient les choses tout près, tout court, la machine. Vraiment, les gens ne voient pas loin. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. Le Créateur a permis à M. Ouattara de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire par la force. C'était pour éclairer l'esprit des Africains. C'était pour ouvrir l'esprit des Africains. Pour que l'AES puisse exister aujourd'hui, pour que des jeunes Africains puissent se rendre compte que Joe, depuis 600 ans, on est maltraité par des gens qui dominent, qui écrasent, qui nous obligent, qui nous forcent, qui nous tordent le bras et qui vivent sur nos richesses et puis nous on est toujours en train de souffrir. Le Créateur a permis à M. Ouattara de faire ouvrir les yeux aux gens parce qu'il est venu, et je dis bien bêtement, il a employé le pouvoir par la force, par la violence, par la domination, par l'écrasement, pour que les gens dans la souffrance puissent ouvrir les yeux et voir vraiment que Joe, vraiment l'Afrique là, on ne peut plus continuer comme ça. C'est simplement pour ça, hein. Je vous le dis aujourd'hui. Parce que si M. Ouattara n'avait pas été au pouvoir, on serait encore boubandés et on serait encore de bons esclaves.
on n'aurait même pas vu quelque chose même. On serait encore dans la domination, mais on serait content d'être dedans. Mais il a permis à M. Ouattara de venir prendre le pouvoir pour qu'on comprenne, on sente vraiment la souffrance, les injustices, les inégalités. Et qu'on se réveille pour dire, mais non, ce n'est pas normal ce qui arrive là, en Afrique. Ce n'est pas normal, on ne peut plus accepter ça. Donc M. Ouattara est vraiment l'envoyé de Dieu pour ouvrir les yeux des Africains. Sur ce qui, par contre, ce n'est pas dans le sens où il est venu pour sauver les Africains, non. Il est venu pour montrer vraiment jusqu'au plus profond de nos entrailles ce que c'est que souffrir. Et à un moment donné, quand tu es un être humain, tu te lèves, tu dis non, je ne peux plus souffrir, c'est bon, ça suffit. Je prends conscience et les choses peuvent changer, on peut vivre autrement, on peut faire autre chose. Il suffit simplement qu'on soit juste, honnête, transparent. Qu'on soit juste pour tout le monde et tout le monde aura à manger et à boire. Voilà pourquoi il a permis à M. Ouattara d'être au pouvoir. Parce que grâce à M. Ouattara au pouvoir, des jeunes comme le général Assimi Goïta, comme le chef de l'État du Burkina, Traoré, comme le général Tiani, il a permis à ces gens-là d'ouvrir les yeux, parce qu'eux au moins ils ont les armes en main, et de prendre leur destinée dans leurs mains, et de changer les choses. Et aujourd'hui où nous voyons, là, les gars sont en train de bosser tous les jours, il y a des usines qui se développent, il y a les gens sont en train de travailler dans leur pays là-bas. Et ça va nous surprendre quand les choses vont venir au grand jour. Nous qui croyons être les supérieurs, les plus forts, les plus beaux, les plus développés, les plus ceci, là, on sera les derniers. Parce que là-bas, au moins, les gars, ils décident par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils discutent avec qui ils veulent. Ils n'ont pas dit qu'ils sont fermés au reste du monde. Hein. C'est ceux qui veulent discuter avec eux, ils discutent avec eux. Ceux qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à se faire voir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comprenez bien ce qui est dit aujourd'hui. Hein. Comprenez très bien. Ceux qui veulent continuer dans l'injustice, qui veulent continuer dans la malhonnêteté, ceux qui veulent continuer dans la domination parce qu'ils ont la force, ils ont les armes aujourd'hui. Je vous dis, vous êtes foutus. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Vous êtes foutus. Le monde, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça. Il y a un moment donné, les choses se passent et puis il y a un moment donné, il y a un nettoyage pour que l'équilibre revienne encore sur cette terre. Sinon, il y aura plus. Il y a longtemps, la terre n'existait plus. Si l'équilibre ne se faisait pas à chaque époque, là, la terre n'existait plus. Parce qu'il y a toujours eu des gens qui veulent dominer, 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 et à un moment donné, ils se cassent la gueule. Vous pouvez aller dans l'histoire, si vous voulez, aller au temps de Gengis Khan, aller au temps des Huns, aller au temps de d'Alexandre le Grand, aller au temps de Jules César, aller au temps de Napoléon, aller au temps du Reich de Hitler. Ils ont commencé à vouloir prendre le monde, puis à un moment donné, boum, boum, ils se sont écrasés, ils se sont cassés la gueule. C'est toujours comme ça et c'est la nature qui nous enseigne ça tous les jours. Mais les gens ne voient pas les signes de la nature. Les gens ne voient pas actuellement qu'on est en plein dans cette décadence de l'Occident qui dominait tout, qui écrasait tout, qui faisait tout ce qu'il voulait. C'est leur temps aujourd'hui d'être dans la décadence et de rééquilibrer le monde avec les autres forces en face qui sont en train de faire ce qu'il faut pour que le monde soit rééquilibré. Maintenant, si toi, qui es faible, tu ne comprends pas ça et que tu ne te mets pas du côté de ceux aujourd'hui qui sont en train de rééquilibrer les choses dans la justice, dans le respect de tout un chacun, c'est ton problème. Va du côté de ceux qui sont en train d'être décadents aujourd'hui. Tu seras écrasé. Parce que c'est irréversible, c'est impossible d'arrêter ce qui est en train de se passer. Mais la seule chose, c'est que les journaux, la télévision, leurs médias n'ont pas l'honnêteté de le dire parce qu'ils ont peur que l'opinion dans leur pays prennent peur et que par exemple en France comme il y a un déficit budgétaire grave que les gens essaient de cacher, si jamais en France les gens sont au courant que les choses se passent mal, ils vont aller retirer leur argent dans les banques. Et s'ils s'en vont retirer leur argent dans les banques parce que l'opinion publique est au courant de tout ce qui se passe, et ben le système va s'écrouler et puis ils sont foutus. Donc ils font tout pour masquer, cacher, ostratiser. C'est-à-dire qu'ils font tout pour ne pas que les gens soient au courant en parlant de choses inutiles, de choses qui... Par exemple, tous les plateaux de télévision en France, c'est l'immigration. L'immigration, c'est... je sais pas. Toutes sortes de conneries, sauf les vrais problèmes même économiques qui fracassent le pays. Là. Les gens ne parlent pas de ça. Parce qu'ils ont peur de l'opinion.
Ils ont peur de l'opinion. Voilà pourquoi ils mettent des milliards dans la communication. Ils mettent de l'argent vraiment dans la communication pour essayer d'embrumer le cerveau des gens, pour essayer de retarder ce réveil, cet éveil. France 24, RFI, TV5, ces chaînes de télévision ne sont pas regardées en France. Ce sont des télévisions françaises, hein, des médias français qui ne sont pas regardés par les Français. Mais du tout, du tout, du tout. Qui regarde cette chaîne-là? C'est les autres personnes qu'on veut manipuler, là, à travers l'Afrique surtout. À travers l'Afrique surtout. Pour véhiculer des messages à la con. C'est-à-dire qu'ils disent 90% de mensonges et 5% de vérité. Puis le reste, bon, les gens, bon, c'est un mélange de tout et de rien. Pour pouvoir tenter de dominer, d'écraser, de garder toujours le pouvoir sur les gens. Parce que le plus important, c'est le pouvoir de la conscience. Quand tu as attrapé la conscience des gens, là, c'est fini, tu les as. Ils ne réfléchissent pas. Et puis maintenant, tu peux les dominer, tu peux leur faire ce que tu veux. Mais une fois qu'ils ont pris conscience de qui ils sont et ce qu'ils font, c'est fini, tu ne peux plus les dominer. C'est dans cette période-là que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. Les gens prennent conscience. Même si c'est 10% des gens qui ont pris conscience, le changement aura lieu. C'est quand il y a 3% de personnes qui prennent la conscience, qui prennent conscience à que ça ne change pas. Mais quand on passe le seuil de 10% qui ont pris conscience là, les 90% là, ils vont suivre sans se rendre compte. Parce que c'est comme dans l'armée. Il y a un général qui commande des milliers de soldats. Il y a un général qui donne des ordres à des milliers de soldats. Et bien c'est pareil dans la conscience. S'il y a 10 personnes qui sont conscients, et bien tout le reste là, ils vont suivre comme des moutons. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. L'éveil des consciences est le Graal, le Saint Graal. L'éveil de conscience est la puissance optimum, la puissance suprême. L'éveil de conscience. Quand tu as pris conscience, tu as ton apogée d'être humain. Tu brilles, tu connais, tu sais. Mais quand tu ne prends pas conscience, tu es comme un mouton. Tu n'es qu'une enveloppe qui contient une âme, un esprit qui se promène là, mais qui n'a pas allumé la lumière. Non, les gars, c'est pas moi aujourd'hui qui suis... C'est ce que je dis là qui est important. C'est pas la peine de me voir. Parce que ça ne change rien au message que je donne. Je veux simplement que les gens puissent vraiment écouter ce qui est dit. Pas ce qu'on voit. Donc s'il vous plaît, permettez-moi aujourd'hui de me mettre en retrait et de parler seulement parce que c'est mon cœur qui parle aujourd'hui. Et je sens et je sais que c'est le dernier avertissement. Faites capture de cette vidéo-là. Je vous en prie, faites capture, enregistrez cette vidéo-là. Et vous allez voir que quand ça va arriver là, vous allez dire que le gars avait dit. C'est pas parce que je suis clairvoyant, bien je suis quelqu'un qui voit clair plus que les autres. Non, pas du tout. On est tous pareils, on a tous la même chose. Mais seulement, ce que je dis aujourd'hui là, c'est simplement après une analyse, après une réflexion profonde. Après une observation, c'est après une observation que je constate que c'est là-bas où on s'en va. Parce que rien ne se crée, tout se transforme. L'histoire se répète à chaque fois. Mais les gens pensent que ce n'est qu'une maxime, ce n'est qu'un mot, une phrase qu'on a dit comme ça. Mais c'est une règle, c'est une loi. Rien n'est éternel, rien. Surtout tout ce qui est organique là. Rien n'est éternel. Aujourd'hui, le changement, l'éveil de l'Afrique est irréversible. Vous-même, quand vous asseyez pour vous écouter Macron parler des fois, les gens disent que l'avenir c'est l'Afrique, l'avenir c'est l'Afrique, l'avenir c'est l'Afrique. Est-ce que vous savez pourquoi il dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi il dit ça? Les gars, ils sont dans leurs officines là-bas, ils ont des philosophes. Ils ont des scientifiques, ils ont des gens qui, des psychologues, ils ont des gens qui étudient toujours le comportement humain, quelque part, qui payent très bien pour que les gens leur fassent des rapports chaque jour pour leur dire, ah, parce qu'on voit dans le monde le comportement des gens là, voilà où on s'en va, voilà ce qui se passe. Donc les gars, ils vont faire le rapport à Macron et puis c'est, on dit, ah, cette fois-ci là, c'est l'Afrique qui se réveille. C'est les gens africains, la jeunesse africaine qui est le vrai pouvoir, c'est la jeunesse africaine qui est la vraie richesse, c'est la jeunesse africaine avec tout leur cerveau là. S'ils apprennent, ils comprennent les choses, ils commencent à transformer les choses eux-mêmes, ils commencent à travailler sur leur matière première, faire tout ça là, les gars vont dominer tout. Donc il faut que nous aussi, on soit dedans avec eux, il faut qu'on ait notre part, il faut vraiment qu'on aille là-bas. Donc voilà pourquoi il faut draguer l'Afrique, ou bien il faut prendre les gens en Afrique là-bas là, avec la force,
pour pouvoir être dans le partage des richesses de demain. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Voilà pourquoi les gens disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Parce qu'ils savent qu'il y a tout à faire en Afrique. Il y a tout à construire en Afrique. Et en plus, la majorité des dons que Dieu a fait en matière première pour pouvoir faire le développement, pour pouvoir créer des richesses, là, c'est dans la terre d'Afrique que ça se trouve. Malgré le fait qu'ils aient volé, pris pendant des siècles, mais ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup. Et ce qu'ils ont pris là, c'est fini chez eux là-bas. Ils veulent encore. Maintenant, c'est nous, on a ça. Maintenant, nous, on prend conscience que c'est pour nous. Maintenant, on prend conscience qu'on doit se battre pour défendre ce qui est pour nous. On prend conscience qu'il faut aller prendre les gens qui sont forts pour nous aider à nous défendre, pour apprendre, pour prendre conscience et devenir plus fort. Et les gars n'ont plus le choix que de venir maintenant discuter, échanger avec nous, pour pouvoir avoir aussi. Parce qu'on est fort. Voilà de quoi les gens ont peur. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les armées africaines deviennent fortes. Voilà pourquoi ils ne veulent pas vendre d'armes en Afrique. Parce qu'ils savent que les Africains, là, si jamais ils ont des armes en main, ils deviennent invincibles. Ils le savent très bien. Ils connaissent le cœur des Africains. Ils savent, ils connaissent la psychologie des Africains. L'Africain, il apprend quelque chose. Il est complet, il est au complet. Tout est au complet chez lui. Et spirituellement, il est très élevé. Naturellement même. C'est pour ça qu'on a envoyé des choses pour pouvoir un peu les diluer. Sinon, leur conscience spirituelle là est très forte. Donc, comme l'Africain, il est bon. Voilà pourquoi il a permis aux gens de venir le dominer. Parce que l'Africain n'était pas dans un concept de domination, d'écrasement, de mensonge, de fausseté. C'est le colon qui est venu avec la fausseté, le mensonge. Non, on est au début là. Est-ce que vous savez combien de colons sont morts au bord de la mer? Parce qu'ils ne connaissaient pas ce qu'il faut manger. Ils ne savaient pas où il fallait boire. Ils ne savaient pas comment faire. Parce qu'ils sont avec le bateau là. Et puis maintenant, c'est les Africains par pitié qui sont venus les prendre. Comme aux États-Unis, les Indiens sont venus aider les Anglais là pour pouvoir survivre. Parce que quand ils ont traversé la mer, là, leur cargaison de nourriture et tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est fini. Là. Tu vas manger quoi dans un pays que tu ne connais pas si les gens ne te montrent pas ce qu'il faut manger afin de pouvoir repartir chez toi. Fanta Fantus, bisous à toi et ta position. Les Africains étaient bons. Nos ancêtres étaient bons. Ils étaient parfaits. Ils étaient honnêtes. Ils étaient accueillants. Ils étaient chaleureux. C'est l'homme qui est venu de l'extérieur avec le faux, le mensonge, qui est venu apporter ce poison-là maintenant en Afrique. Et puis maintenant, c'est là qu'on a commencé à comprendre ce que c'est que le mensonge, la fausseté, l'hypocrisie, les armes pour tuer les gens. Nous, on avait les armes, c'était pour chasser, pour manger. Ce n'était pas pour aller tuer les gens bêtement, bien c'était pour se défendre. Si au cas où il y avait des fausses personnes, mais ce n'était pas développé. Il n'y avait même pas de prison en Afrique. Le concept de la prison, ça n'existait pas chez nous. Tellement les gens étaient bons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, vos ancêtres là, ils connaissaient, parce qu'ils n'étaient pas forts que... Non, les gars n'avaient même pas cette idée de force et de tout ça là. Ils n'avaient pas cette idée là. Les gars, c'était des gens parfaits, des gens bons. Des gens qui vivaient dans un paradis. Tu te lèves comme ça, tu tends la main, tu cueilles une mangue, tu manges, tu es rassasié, tu t'en vas te courir, te promener, tu vas chasser, tu fais tes trucs tranquille. Il n'y a pas besoin de... Et puis le climat est bon, tu dors dehors, vraiment tout était... C'était le paradis. Parce que les gens voient tout en développement comme aux États-Unis, les gratte-ciel, les immeubles de Paris, tout ça. Ils pensent que c'est ça qu'est la vie, quoi. C'est une belle illusion. Hein? C'est une belle illusion. Maintenant, avec ce que nous avons appris aujourd'hui, avec l'éveil de conscience, on sait qu'on est intelligent pour prendre ce qui est bon chez eux qu'ils ont développé et puis on l'adapte maintenant à nous, nos réalités. Et on va créer notre paradis à nous qui vont venir profiter, parce que nous, on est ouvert. Ils pourront venir profiter avec nous, mais ils ne vont plus jamais nous dominer, nous écraser. C'est terminé ce temps-là, parce qu'on a appris, on sait maintenant, on comprend. Vous voyez la nuance, vous voyez la différence? Parce que les gens disent que oui, les panafricains, c'est des gars, ils veulent renfermer l'Afrique entre eux, et puis c'est fini. Non, pas du tout. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est qu'être panafricain. Être panafricain, c'est le fait de penser que ce qui arrive aux Ghanéens, ou bien ce qui arrive aux Congolais, là, si c'est mauvais pour nous aussi. Donc on doit les aider aussi à se relever. Panafricanisme, c'est de pouvoir échanger. Ce qu'on vend au Congo, là, nous on achète ça en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vend en Côte d'Ivoire, on vend ça au Congo. Et on échange entre nous avec une monnaie commune, avec des choses pour que les choses aillent vite et on se développe entre nous vite fait. C'est ça le panafricanisme. C'est pas chasser les blancs ou bien attaquer les blancs, jamais, comme les gens veulent vous faire croire. Une fois qu'on a compris, on est ensemble et puis on travaille ensemble pour notre développement entre nous, là,
Mais n'importe qui dans le monde peut venir tant qu'ils respectent nos lois, comme nous on respecte leurs lois quand on vient chez eux. Il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus. Mais ces histoires de domination, ils vont décider pour nous, ils vont se foutre de nous, tout ça, c'est fini, c'est de ça qu'on parle. Donc nos frères du EDR, pour revenir au sujet, puis je vais chuter là, qui veulent continuer ce système de merde là, d'injustice là, c'est votre dernier avertissement les gars. C'est votre dernier avertissement. Il faut tout faire pour être dans le droit. Il faut tout faire pour respecter le droit. Il faut tout faire pour respecter la vie des autres. Il faut tout faire pour être juste avec tout le monde. Afin que quand il y a besoin d'avoir une élection et que les gens vont voter, que vraiment le vote des gens compte dans la vérité, dans la clarté. Afin que le gagnant gagne et que dans la paix, tout le monde maintenant puisse fonctionner, travailler et vaquer à ses occupations. Voilà tout ce qu'on demande. Maintenant, si vous voulez faire la force, obliger les gens sur la base de vos armes ou bien sur la base de toutes ces choses-là, le temps est venu pour vous de disparaître. Je vous le dis, ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Parce que le monde en a marre des gens qui sont injustes. Le monde en a marre des gens qui sont méchants. Le monde en a marre des gens qui sont faux. Le monde en a marre des hypocrites. Le monde en a marre de tous ces gens qui sont faux dans ce monde et qui foutent la merde partout dans le monde. Votre temps est arrivé aujourd'hui de lire l'heure, comme on dit chez nous. Je suis Bois Kouassi, à bon entendeur, salut.